Et bonjour à tous. Donc voici mes antennes Tesla qui sont reliées à un générateur qui va les faire entrer en résonance et qui est lui-même relié à un générateur Spooky 2 XM. Voilà. Donc le générateur Spooky 2 XM qui est branché derrière le générateur ici Filtek va moduler le signal que nous avons ici. Donc en ce moment, j'ai mes deux antennes qui vont résonner à 13 MHz, donc vous voyez que la LED à droite s'allume, donc ça veut dire que les antennes sont en résonance. Donc pour le moment, j'envoie un programme scalar depuis le logiciel Spooky 2, donc il est renvoyé sur le générateur. Donc je vous mettrai en description de la vidéo le programme que j'ai envoyé. Et donc maintenant, je vais avec la touche sweep. Voilà. Je vais moduler le signal qu'envoie Spooky 2 en amplitude, vous voyez, sur une base de 5 volts, donc de entre 0 et 5 volts. Ma source ici, c'est la source VCO in qui est branchée derrière mon générateur. Et donc, quand je vais appuyer ici, hop, vous voyez, sweep, ça passe à begin. Et donc, c'est parti. Alors, là, si je regarde ici, vous voyez que ma LED maintenant, elle reste plus allumée, elle se met à clignoter. Donc là, j'envoie une modulation qui vient du Spooky 2 XM. Donc j'envoie la résonance de Schumann, donc à 7,83 Hz. Donc vous voyez qu'on a la LED qui va clignoter à cette fréquence. Donc voilà comment je parviens à moduler un signal sur le générateur. Et voilà, merci à tous, à bientôt.